cette réunion-là, il fait suite à la dernière réunion qui nous tient avec la People Retailers Association. Et quand on a un issue, qui a envie de discuter ensemble pour nous trouver une solution. Donc, pendant cette période-là, bien sûr, et le ministère fait une consultation avec tout le monde des autres stakeholders. Et aujourd'hui, nous mettons au courant de un développement dans différents issues qui ont été soulevés la dernière fois. Et un parmi, bien sûr, c'était le cas de un vol qui est fréquent dans une station d'essence. Je suis soulagé que la police peut faire plus de patrouilles ce jour-là. Et nous faisons discuter aussi et nous faisons proposer ben là pour éventuellement je aller vers un système que peine pour payer par cash. Donc nous trouvons aussi des habitudes de bonne Mauricienne comment changer à l'autre jour. Beaucoup de monde servi carte, beaucoup de monde servi portable pour faire paiement, beaucoup de monde servi aussi et juice par exemple. Et nous disons ben là, discuter avec ben la banque pour que un coup de qui ben système qui est capable de servir pour qui nous est un paiement, un cashless et paiement. Donc, je trouve ça bien intéressant. Comme on dit, autres, quand nous appliquons un nouveau système, nous n'avons pas un résultat là tout de suite. Il faut prendre un petit peu le temps. Il faut faire une campagne de sensibilisation à la population pour dire qu'ils préfèrent maintenant à prendre un paiement par carte ou bien par portable ou bien par les autres systèmes digitaux. Petit à petit, mon corps, il faut finir rentrer dans les habitudes de presque tout le monde. Je n'ai pas pris aucune crainte pour un vol dans l'avenir. Et dans l'immédiat, qui sont les choses que vous proposez pour justement par rapport à ça? Non, dans l'immédiat, je finis une rencontre avec la force policière et du bon la même. Et je suis vraiment satisfait maintenant dans le sens qui est patrouille que la force policière peut faire, il y a reste et tout, les plus fréquents qui étaient dans le passé. Je trouve quelque part, comment dire, dans les gens peuvent dire soi-disant qu'on a une pénurie et une crainte. Mais je suis rassuré, mon travail c'est juste rassurer. Quand on passe l'étape de Mangalo, je peux rassurer la population, effectivement, pas finalement aucune pénurie, avec ma décision responsable qui le gouvernement fait prendre. Mais là aussi, je rassure la population, qui n'a aucune pénurie, et nous avons nos stocks qui peuvent tenir nous jusqu'à l'arrivée du prochain tanker, qui est prévu samedi. Et il peut venir avec 40 000 métriques tonnes environ de produits pétroliers, parmi moi, il y a 10 000 l'essence, 10 000 tonnes et 20 000 tonnes diesel. Donc, nous prenons bien sûr une continuité dans l'approvisionnement.